Alors nous allons cuisiner aujourd'hui du thon. Je vais le cuisiner en deux façons. Une en tartare, l'autre sur une petite tartine avec de la salade verte, tout simplement. À la première étape, elle est très simple. On va préparer cette marinade un peu de voyage. Pour cela, on a pris du soja. Il faut prendre un soja sucré. L'huile de sésame qui rappelle un peu ce goût un peu asiatique. Du gingembre, qu'on a taillé tout ça justement en petites salpicons très très fins. On a pris les blancs de poireau et du poireau cru. De l'ail haché, un peu de graines de sésame. Moi, je mets un peu d'armagnac parce que je suis un vrai français. Mais on peut mettre une alcool de prune, une alcool de riz, vous voyez. Vous regardez un peu quelque chose d'alcoolisé. Alors, cette marinade est assez agréable parce qu'il y a beaucoup de fraîcheur. Alors, on va faire des salpicons assez épais quand même. Alors, ça se fait avec du thon, mais on peut le faire avec l'espadon. Vous savez, tous ces poissons un peu du bar. C'est une recette qui va avec beaucoup de choses. Facile à faire, facile à tailler. On fait des gros dés. Hein. Et vous allez voir comment on va l'assaisonner et comment on va le dresser. Le taillage n'est pas quelque chose d'important. Ce qui est important, c'est comme tout, c'est l'assaisonnement. De la mangue bien verte, taillée en petits salpicons. Un peu de ciboulette. Alors, si vous n'avez pas de ciboulette, vous pouvez mettre un peu d'échalote ciselée. On a fait des petites billes de concombre. Vous pouvez garder la peau parce que la peau apporte une fraîcheur supplémentaire. Vous pouvez faire des petits dés de concombre, tout simplement. Alors, c'est là où ça devient très intéressant. On va faire cette marinade. Voyez. Et on va le dresser tout simplement dans une assiette cerclée. On a fait une petite lamelle de concombre. On va mettre quelques fleurs. Et vous avez quelque chose de très simple, très bon, qui vous donne envie de repartir en vacances. Pour cette deuxième recette, on va faire un croque-monsieur. On prévoit du pain de mie, du thon, des tomates, de la salade, un peu de fromage et le tour est joué. On va prendre de la crème fraîche. On va faire des petites miettes de thon. Un peu de ciboulette. On remue tout ça. Un peu d'huile. Nous avons préparé des petits cercles de pain. Vous prenez un peu de salade. On va prendre des petites tomates. Nous allons mettre du thon. Nous allons remettre... Appuyez légèrement, un peu de crème dessus, un peu de fromage, légèrement gratiné, une petite salade de maraîcher pour apporter le croquant, la fraîcheur. Et vous avez vraiment quelque chose d'agréable, facile à manger devant la télé ou ailleurs. Je vous souhaite bon appétit.